Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle vidéo, eh ben on va changer un petit peu du Transformers. Alors je vais vous présenter aujourd'hui donc le petit Jack Hammer et son pilote Cliff Dagger, tiré de la série animée Mask. Véhicule qui est tout simplement l'un de mes préférés donc de la team Venom. Et voilà, pour info, donc il s'agit du mien de quand j'étais petit, voilà, avec la petite mitraillette que j'ai reçue l'année dernière, donc lorsque j'avais eu l'occasion de rencontrer Mathieu alias Cliff Dagger. Voilà, il me manquait comme beaucoup donc la petite mitrailleuse donc qu'il a eu la gentillesse de me faire en repro. Voilà, petit clin d'œil au passage donc à Mathieu, si tu me regardes Mathieu, un petit coucou et plein de bisous du Morbihan, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc voilà, sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite donc pour la présentation de ce petit Jack Hammer. Et comme toujours, les deux troubillons juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les amis, let's go! Ouais, bonne revue les mecs! J'espère que ce véhicule masque vous plaira tout comme il nous plaît. Et puis bah nous, on se dit à tout à l'heure! Ouais, bonne verrue les mecs! Et bonne découverte de ce véhicule Max! Oh non, zut, j'arrive toujours pas à le dire. Bon bah, quoi que l'on soit, à tout à l'heure les mecs! Allez, tchuss! Ouais, tchuss! Blum 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 blum. Alors avant de commencer par les présentations du véhicule, comme toujours, donc lorsque je présente une revue masque, nous allons commencer tout d'abord donc par le pilote. Le pilote ici présent donc Cliff Dagger, l'un des hommes de main principaux de Miles Mayhem, voilà, et qui, comme son véhicule, vous le verrez après, est vraiment baraqué. Donc voilà, ça correspond un petit peu donc avec l'esprit du véhicule. On retrouve ce personnage assez baraque, assez musclé, assez bagarreur. Donc on retrouve également donc les petites caractéristiques qui nous montrent que ce petit père Cliff Dagger ne plaisante pas. Tout d'abord donc le petit bonnet de Docker hein, sur son crâne chauve, et puis donc le petit œil borne juste ici, donc masqué par son petit bandeau
un petit pistolet laser donc sur son holster. Voilà, les finitions comme toujours sont propres et soignées. La figurine ressemble relativement donc à celle que l'on voit dans le dessin animé. Bon, le visage bien entendu comme toujours est assez atypique, mais pour l'époque et pour les chaînes et pour l'échelle du moins, pas voilà, pas grand chose de négatif à dire. À savoir que le bonhomme aussi par rapport à d'autres personnages masques est un chouïa plus petit. Voilà un petit peu donc pour cette grosse brutasse qui, lorsqu'il revêt donc son masque juste ici, voilà, merci monsieur Focus. Voilà, le masque est plutôt terrible aussi, j'aime beaucoup hein, avec ce côté un peu, je sais pas, un peu casque de momie. Voilà, je trouve le casque vraiment super. Donc lorsqu'il revêt voilà son casque comme ceci, voilà, donc devient encore plus redoutable, puisque donc le pouvoir de son masque n'est autre que Flashor. Flashor qui est proche donc d'un lance-flamme. Alors vous l'aurez compris, lorsqu'il crie donc Flashor, vous avez ici donc une grosse flamme qui sort sur le dessus. Voilà un petit peu donc pour cette figurine plutôt très sympatoche. Alors chose assez curieuse dans l'histoire de Mask, puisque ce personnage est présent dans toute la série numéro 1, donc dans les 60 et quelques épisodes de disponibles, voilà, puisque c'est l'un des hommes de main principaux donc de la Team Venom, avec bien entendu son pote Slyrax et Vanessa Warfield. Mais chose étonnante, donc comme je vous le disais, c'est que ce personnage-là, ben, on ne le retrouve pas dans la saison 2 Racing, comme c'est le cas par exemple pour Slyrax, même si on le voit très peu, mais surtout pour Vanessa Warfield. Celui-ci donc ne réapparaît pas dans la saison 2 et on ne sait absolument pas pourquoi. Voilà un petit peu donc pour la référence, pour ceux qui ont éventuellement, les puristes qui en connaissent beaucoup plus sur l'histoire de Mask que moi, auraient une idée de pourquoi il n'a pas été réutilisé pour la seconde Racing, la seconde série Racing. Bah n'hésitez pas tout simplement donc à me l'expliquer dans les commentaires, ce sera bien pratique pour moi et pour tout le monde. Voilà donc pour le personnage. Et petit 360 à présent donc de notre Cliffhanger avec donc son véhicule Jackhammer. Voilà, véhicule absolument superbe. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes préférés, donc inspiré du 4x4 Ford Bronco. Voilà, on en reconnaît bien les caractéristiques. Toujours donc le savoir-faire de Kenner. On reviendra sur les petits détails après, mais vous pouvez déjà constater qu'on retrouve d'ores et déjà donc les roues en caoutchouc toutes striées. Donc c'est bien, ce qui était bien à l'époque, c'est quand on jouait dans la terre ou dans le sable, on avait également donc l'empreinte des roues qui voilà qui marquait. Voilà, c'était pas grand chose, mais voilà, à notre époque c'était quand même c'était quand même beaucoup. Voilà un petit peu donc pour ce petit 4x4 donc qui nous réserve plein de petites surprises. Et on revient tout de suite donc sur les finitions. Tout d'abord donc le pare-brise avant translucide, rien d'étonnant jusque là. Voilà, la petite X300 juste ici donc sur le moteur, avec des parties légèrement électroniques et mécaniques qui apparaissent sur le dessus du capot sous forme de stickers. La calandre pare-choc qui sont en chrome, voilà, du plus bel effet. Sur la tranche latérale, ou en tout cas de profil, voilà un petit peu ce que ça donne, avec plein de petits gadgets hein, qui nous indiquent que voilà, ce 4x4 est un petit peu plus que voilà, fait un petit peu plus que ce qu'il semble être. Nous avons donc le petit aileron juste ici à l'arrière, comme je vous le disais, hein, les pneugommes qui sont voilà, qui sont vraiment marqués. Je sais pas si ça se voit bien la caméra rouge, mais ça c'est quelque chose que j'appréciais, avec des jantes chromées très très réalistes. Comme tout véhicule masque qui se doit, ou presque, nous avons donc voilà les portières latérales qui peuvent s'ouvrir et qui nous donnent donc un aperçu du cockpit, avec voilà le tableau de bord, le petit volant que l'on peut tourner, le levier de vitesse juste ici, le fauteuil, et puis donc voilà, côté passager, on a également, alors je vais faire un petit voilà, un petit zoom, nous avons donc un sticker qui représente toute l'électronique, tous les boutons, tous les gadgets donc qui enclenchent tous les différents systèmes donc de notre véhicule. Voilà, on retrouve également donc sur les parties arrière, voilà, d'autres stickers, non pas des vitres, hein, mais voilà, ces petits détails juste ici, un peu pas cybernétique, mais un petit peu électronique. À l'arrière, c'est un petit peu plus sobre. Et puis donc, nous avons le pare-choc arrière juste ici en gris mat. Vu de dessus, alors je vais réduire un petit peu l'image du coup, vu de dessus, voilà ce que ça donne, rien à dire. Vu de côté, vu de face, de dos. Et au niveau donc
de l'undercarriage sous le véhicule, bah voilà, on a quelque chose de propre. Tout est bien, voilà, tout est bien compact, tout est bien dissimulé. On retrouve bien la licence juste ici, Kenner. Voilà, Kenner Corporation. Et puis donc des petits détails qui nous laissent deviner en tout cas les petits mécanismes, puisque comme tout véhicule masque, donc tout s'actionne donc par petits mécanismes, chose que j'aimais beaucoup. Voilà, des petits poussoirs pour actionner ceci ou cela. C'était vraiment quelque chose juste de sensationnel. Et puis donc nous pouvions ouvrir la porte et mettre notre personnage de Cliff Dagger, hein, qui est vraiment à l'échelle, voilà, aux commandes de son petit jackhammer. Et voilà le travail, le véhicule roule parfaitement grâce à ses super roues motrices et donc à ses pneus gomme. On peut voir que malgré son âge, hein, je rappelle 85, ben voilà, le véhicule ne fait pas de bruit, il roule parfaitement. Bref, que du bonheur pour un jouet de cet âge-là. C'est du tout bon. Et juste pour le fun, donc petit comparatif et photo de famille avec une version plus petite. Alors je ne sais pas chez quelle marque c'était distribué. Est-ce que c'était avec des bonbons ou autre, je ne sais pas. J'ai trouvé ce petit véhicule là un jour, donc en glanant sur une brocante il y a pas mal d'années, hein. Mais on retrouve bien donc voilà le petit armement, les vitres translucides et puis surtout à l'arrière donc l'étiquette Venom. Voilà la version donc de Jackhammer. En tout petit, petite chose que je ne connaissais pas, et je n'ai jamais réussi à trouver des informations plus précises sur ce petit véhicule et savoir surtout s'il en existait d'autres, parce que bah, personnellement voilà, ça m'intéresserait vachement de trouver les autres véhicules. Voilà donc pour cette petite photo de famille. Et donc pour en revenir au véhicule, hein, ce qui était vraiment super à l'époque, c'était le respect de l'échelle. Chaque véhicule a ses propres proportions totalement cohérente d'un véhicule à un autre. Le personnage peut fitter à l'intérieur, mais également les personnages peuvent différer aussi légèrement en corpulence ou en taille. Voilà, ça c'était vraiment super pour l'époque. Alors on va pouvoir passer bien sûr donc à l'étape transformation. Vous allez voir qui ne manque pas de classe. Alors tout d'abord on va commencer par l'avant. Vous avez donc voilà ce petit élément ici, vous en servez donc avec le pouce, vous ramenez le tout vers le pare-brise et s'actionne automatiquement donc la trappe du pare-choc, où l'on aperçoit donc l'autocollant juste ici de la Team Venom et deux petits lasers juste ici. Et chose vraiment sympa, alors je vous montre, je vais faire encore un gros plan là, peut-être quelque chose d'un petit peu plus propre. Et lorsque vous faites rouler le véhicule, vous voyez, vous avez donc les deux mitraillettes à l'avant donc qui sont actionnées voilà automatiquement l'une après l'autre. Ça c'était vraiment sensas. Voilà ce que ça donne de face. Voilà, ça voilà, petit mécanisme vraiment qui ont jeté à l'époque. Je vous rappelle, on est en 85, hein. Et puis donc le reste de la transformation s'effectue comme ceci. Vous avez donc le pare-choc à l'arrière, vous appuyez dessus, voilà, vous faites lever donc toute cette partie là qui va devenir, comme vous pouvez le constater, une petite tourelle. Ensuite vous levez cette partie là qui devient un fauteuil et qui automatiquement donc libère là encore voilà deux lasers juste ici. Et nous avons juste à l'intérieur, si vous le remarquez, voilà, je vous montre un petit peu juste ici, donc nous avions le compartiment de façon à ranger son accessoire afin d'éviter de le perdre. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, puisqu'en général ce véhicule là malheureusement voilà se trouve la plupart du temps sans sa petite arme. Alors je le répète, attends, c'est pas une originale, c'est une repro que m'a fait donc voilà mon ami Cliff Dagger. Voilà, ensuite vous venez placer donc la petite mitraillette juste ici sur son petit support. Voilà. Et si vous, on voulait reprendre donc le concept du dessin animé, alors ça il ne peut pas le faire parce que voilà, le jeu à l'époque ne permettait pas ce style de transformation. Mais dans le dessin animé, quand la voiture se transformait, Cliff Dagger, par je ne sais quel procédé, donc passait automatiquement donc du cockpit avant jusqu'à voilà cette partie là à l'arrière sans descendre du véhicule. C'était assez saisissant. Ils n'ont pas réussi à le faire bien entendu en jouet parce que voilà, ça demandait quand même beaucoup de technique à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui ce serait la même chose. Et voilà, donc il suffit simplement de mettre notre Cliff Dagger et on se dit mais comment le véhicule peut rouler, puisque Cliff Dagger donc est passé du cockpit à sa petite tourelle d'attaque, tout simplement parce qu'il a également les commandes du véhicule donc voilà au niveau de la tourelle, ce qui fait qu'il peut non seulement conduire le véhicule mais également donc orienter la tourelle à 360, voilà, pour
faire la peau aux petits équipiers et véhicules donc de la team Mask. Voilà un petit peu pour ce véhicule. Alors rien d'autre, pas de lance-missile, pas d'autres choses comme on peut trouver sur d'autres véhicules masques, mais voilà, néanmoins, voilà, j'adore, je le trouve magnifique avec cette espèce de gros bouclier donc à l'avant du pare-brise qui le protège des assauts, ses roues motrices donc qui peut dire qu'il vraiment il peut attaquer sur tout type de terrain, les petits lasers à l'avant hein, comme je vous disais qui sont actionnés l'un après l'autre, et puis donc voilà cette petite tourelle rotative juste ici, vraiment donc le souci des détails à son paroxysme. Je vous laisse voir ce que ça donne de dessus. Voilà, c'était juste du bonheur à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. J'aimerais vraiment hein, qu'un jour, puisque donc Kenner a été racheté malheureusement par Hasbro, mais j'aimerais revoir cette gamme. Alors peut-être pas une réédition des anciens véhicules parce que je pense pas que ce soit possible, mais en tout cas donc une nouvelle ère des véhicules contemporains avec ce système de mécanisme. Je ne sais pas si ce serait aussi beau qu'à l'époque, parce qu'à l'époque on lésinait pas sur la qualité des matériaux, hein. Je le répète, les pneus gomme, du chrome, du métal, enfin voilà, des choses comme ça qui aujourd'hui, bon, cette qualité de jouet se perd malheureusement avec le temps. Donc voilà un petit peu hein, pour ce superbe véhicule avec sa tourelle rotative, pam 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 pam, piou 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 piou, et voilà, et je vais faire de la chair à saucisse de masque, mais non, parce qu'en général, Cliffhanger est un petit peu pâteau, donc il est toujours méchant au combat, mais il se fait toucher assez facilement, et il se retrouve un peu couillon à s'échapper, comme c'est souvent le cas à la fin d'un épisode, hein, à s'échapper parce que les véhicules Venom ont fini en charpie. Donc voilà un petit peu hein, pour ce magnifique véhicule. Et donc pour repasser au mode véhicule classique, hein, parce qu'on a un petit peu comme le Transformers en fait, on a le concept jouet 2 en 1, derrière, sous l'aspect d'un véhicule civil, donc se cache quelque chose de redoutable. Pour les Transformers ce sont des robots, pour Mask ce sont des véhicules d'assaut blindés. Donc pour la transformation, voilà, pour repasser au mode principal, vous retirez à nouveau la petite tourelle juste ici, vous venez donc la placer dans son compartiment. Voilà, comme ceci. Là, ça vous donne voilà, une autre perspective du fauteuil. Vous rabattez donc ce dernier fauteuil qui va rentrer automatiquement donc les deux canons juste ici. Plus qu'à rabattre et loquer l'ensemble. Et pour l'avant, donc bah, même chose. On remet le capot voilà, en place et le pare-choc donc se remet automatiquement et plus qu'à mettre donc notre petit père Cliff voilà, hop, au volant de sa Jackhammer mobile, et voilà, ni vu ni connu, une superbe pièce que voilà. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour consacrée au sublissime Jackhammer et son pilote Cliffhanger, donc de la team Venom, issu de la gamme Mask. Voilà cette gamme qui vraiment aujourd'hui encore je trouve est exceptionnellement belle, riche, qualitative, précieuse, de bonne facture, d'excellente qualité. C'était vraiment du jouet, voilà, c'était plus que du jouet, c'était vraiment quelque chose de voilà, de noble. On s'en rend compte hein, plus de 35 ans après, puisque les véhicules sont toujours en voilà, sont toujours en parfait état. On en trouve encore parfois en brocante, souvent incomplet, mais voilà, c'est vraiment pour moi une gamme que j'affectionne tout particulièrement pardon, avec donc les Transformers, les Gobots et les robots Tokusatsu. Vraiment une gamme et un dessin animé qui vous avait de la gueule. Je rappelle hein, que le nouveau comics Mask est disponible donc aux éditions Vestron. Je vous en ai déjà fait, j'ai eu l'occasion de vous faire la présentation, en tout cas donc la critique lors d'une précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un œil au nouveau comics qui est vraiment excellentissime. Je l'ai trouvé vraiment fun. On retrouve un peu les mêmes véhicules, bien entendu plus contemporains, et c'est surtout au niveau des personnages hein, qui, même s'ils portent les vrais noms, donc changent plus ou moins d'aspect voilà, selon les personnages. Vraiment, donc je vous invite à jeter un œil à ce comic, et vous pouvez également retrouver, si vous n'avez pas de coffret DVD ou si vous ne trouvez pas le coffret DVD, la quasi-totalité donc des épisodes sur YouTube ou Dailymotion. Donc voilà, de quoi vraiment vous faire plaisir jusqu'au bout. Voilà,
Je n'en dis pas plus, je pense que j'ai dit le principal. Comme toujours, bah, n'hésitez pas, bien entendu, à laisser vos commentaires, vos avis, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de cette petite merveille. Pour moi, c'est une merveille, en tout cas, c'est vraiment l'un de mes chouchous, et c'est le mien, vraiment, de quand j'étais petit, donc voilà, je l'ai toujours. Il a un petit peu vécu, mais comme vous pouvez le constater, donc voilà, il n'a rien perdu de sa superbe. D'avance, je vous remercie, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus qui sont toujours là pour me faire plaisir, pour m'encourager, mais aussi pour me motiver, ça fait toujours vachement plaisir. Petit coucou également, petit coucou aux nouveaux abonnés, puisque nous sommes passés là à 620 abonnés en l'espace de quelques jours, voilà, 20 abonnés en même pas une semaine, donc voilà, ça fait super plaisir, merci de votre confiance, j'espère que vous vous plairez dans notre petite famille, ou en tout cas au sein de notre communauté de fans, de Transformers, de robots, de jouets transformables des années 70 à nos jours, et comme toujours, donc plein de gros bisous aux plus anciens, voilà, je vous embrasse très fort, merci pour votre fidélité, oh blablabla, si je bafouille, voilà, ça faisait longtemps, je me disais aussi une vidéo sans bafouillage, c'était pas possible, et ben voilà, c'est fait, donc merci, comme toujours, donc, pour, voilà, pour vos encouragements, pour votre sympathie, pour votre soutien, pour le partage de mes vidéos également, merci à mes partenaires, donc voilà, divers et variés, qui se reconnaîtront, petit coucou à nouveau, donc, à Cliff Dagger, aka, donc, Mathieu, je t'embrasse bien fort, mon petit père. Et puis, bah, quant à nous, donc on se retrouve fin de semaine pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas encore de quoi il s'agira, donc ce sera la surprise, voilà. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, surtout pour ceux qui reprennent le boulot. Voilà, c'est toujours un petit peu difficile après les vacances. Pour les autres, bah, profitez bien de vos derniers jours de vacances. Et puis surtout, bah, bonne rentrée. Voilà, que dire de plus? Bah, que dire de plus? Que dire de plus? Bah, bien tout simplement, n'oubliez pas de faire ce que vous avez à faire, mais toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Hé, papy, dis-moi. Oui, mais dis-moi. Tu sais ce que ça veut dire, jackhammer, en français? Oui, j'ai ma petite idée, mais vas-y, je te laisse t'exprimer. Eh ben, ça veut dire marteau-piqueur. Tu te rends compte? Marteau-piqueur. On n'a pas l'impression d'être dans un dessin animé, là. On a plutôt l'impression d'être dans un film pour adultes, hein. C'est bizarre, quand même. Ah, j'avais vraiment pas peur, à l'époque. Ah, mais toi, de toute façon, faut que tu vois toujours le côté des choses le plus obscur, le plus glauque. Bah, ouais, mais n'empêche que, bon, si on disait en français, Black Cliff Dagger et Marteau Piqueur, ça ferait un peu bizarre, quand même. Bon, moi, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien Woody Woodpecker. Ah, mais toi, comme d'hab, t'as rien compris du tout. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.